Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir un petit courrier que je viens de recevoir. Donc, c'est de la part de Sandra. Ah non, Lodi, tu n'as pas commencé à faire du bruit. Donc, elle a collé un petit papier. Un petit papillon ici que je vais pouvoir récupérer. Et donc, je pense que c'est une carte de vœux, vu qu'elle avait dit sur sa chaîne YouTube que certaines allaient en recevoir. Donc, on va voir ça. Voilà. Hop. Alors, je peux y aller à côté. Donc, c'est bien ça, c'est une carte. Oh, c'est trop joli. Une carte de bonne année. Voilà. Donc, elle est très mignonne. J'aime beaucoup le papier pailleté qu'elle a mis en dessous. Là, il est très joli. Couleur argentée. Donc, on a une base de cartes craft, ce papier argenté avec un papier avec des branches de sapin pailletées. Il est très joli. Un sticker avec des paillettes et un bonhomme de neige. Bonne année. Et un flocon de neige. Donc, voilà. Et alors là, c'est trop beau aussi. Ah, ok. Et oui, alors... Moi, comme quoi, j'étais perdue. Donc ça, cette carte-là, c'est... en fait, c'est l'année 2019. Sandra, donc la chaîne, c'est Scrap by Sandra, avait proposé à certaines de ses abonnées, enfin, celles qu'il désirait, de faire un échange tous les mois de cartes. Donc, elle avait donné des thèmes. Et donc, j'avais participé à cet échange. Et ça, c'est la carte, du coup, de décembre. Qu'elle avait oublié de m'envoyer. Mais pourtant, il me semble que tu m'avais envoyé une carte en décembre. Sur le thème hiver. Bon, enfin, je sais plus. Il me semblait que... Enfin, moi, je sais que c'était le thème hiver que je lui avais envoyé. Il me semblait en avoir reçu une. Je sais plus. Bon, donc du coup, elle a... Voilà, elle a fait cette carte-là. Et elle, ben, Sandra, c'est avec grand plaisir qu'on se fait d'autres échanges. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Bon, là, je t'avouerai que je suis en retard. Il faut que je fasse les cartes... Ben, répondre à toutes celles qui m'ont envoyé une carte de vœux. Il faut que j'envoie les cartes ATC que j'ai toujours pas envoyées. Il faut que j'y aille, là. Il faut que je me bouge. J'ai aussi un échange en cours avec Carole à faire. Donc, c'est un flipbook sur le thème de Paris. Donc elle a choisi le format, je sais plus si on l'a choisi ensemble ou si c'est elle qui l'a choisi le format, et le thème, et moi j'ai rajouté comme contrainte qu'il fallait des embellissements que fait main. C'est plus intéressant je trouve de faire des échanges où on fait des embellissements nous-mêmes, plutôt que d'acheter des trucs et les envoyer, bah, je trouve ça pas nul, mais c'est moins personnel, c'est pas mon délire. Voilà. Je préfère envoyer des choses que l'on a créées plutôt que des choses que l'on a achetées et il n'y a rien derrière, quoi. Certes, ça va servir, mais je préfère quand même le fait même. Donc voilà. Alors, revenons à notre carte. Donc, c'est une base de cartes blanches à la base. Donc, elle a vieilli. Elle a mis de la toile de jute. Ce très joli papier là qui est pailleté. Ça fait des petits reliefs. Je pense pas... Ah si, vous voyez les reliefs là, les petits points. Et ces petits points là sont pailletés en plus. Ici, elle a mis des strass. Une découpe, on va dire carrée. Pareil, elle a... C'est avec de l'encre verte cette fois. Elle a colorisé le papier, je vais dire. Elle a mis des stickers comme ceci là de chez Action. Il y a deux nouveaux petits strass. Et juste pour toi. Elle est super jolie la carte. Merci beaucoup Sandra. Donc voilà, bah, je suis très contente d'avoir ouvert ce courrier. Donc il faut vraiment que je me mette à répondre à tout le monde là. Sur ce, ben, je vous souhaite une très bonne journée. Sandrine ne m'a pas lancé de nouveaux défis par rapport à... Vous savez, à ce que je lui ai fait. Oups. Par rapport à ce qu'elle a gagné là. Donc, bah, vu que Carole m'avait... pas Carole, pardon. Vu que Claire m'avait lancé un défi, bah, je vais faire
le défi de Claire et ce sera celui-là qui sera gagné, je pense. Mais bon, c'est dommage parce que c'est encore un duo carte Memory Dex et carte ATC. Bon, j'espère qu'on va changer, quoi. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite. Bye bye!